Dans ce développement-là, 5x moins 4 facteur de 5x plus 4, on doit reconnaître assez facilement la troisième identité remarquable qui s'écrit a moins b facteur de a plus b. Et on voit bien que a joue le rôle de 5x, il est présent dans mes deux parenthèses, b joue le rôle de 4, et on voit bien que c'est le produit d'une différence, 5x moins 4, par une somme 5x plus 4. Cette identité remarquable-là, vous devez la connaître, elle se développe sous la forme de la différence des deux carrés, a carré moins b carré. Je suis désolé, le carré n'apparaît pas bien. Du coup, lorsque on va développer notre expression 5x moins 4 facteur de 5x plus 4, on va développer de la même manière. On va y développer sous la forme du carré de 5x et on va lui soustraire le carré de 4. Le carré de 5x moins le carré de 4. Et là, attention, une remarque déjà qui a déjà été effectuée, le carré de 5x, la parenthèse était importante, puisque c'est 5x fois 5x, et cela fera 25x carré moins 16 pour mon expression finale.